from this body of death. Thanks be to God through Christ Jesus. I'm ready for the fight of my life. Start the record. Tout s'est passé comme prévu. Ça recommence comme avant. Ma journée commence avec la respiration de la parole de Dieu. Pour passer une bonne journée, appelez au numéro 213-493-0167, 213-493-0167. Bonne journée. Un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Élisène Restin qui vous souhaite d'ores et déjà une excellente semaine sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. D'ores et déjà, je vous présente le verset pour aujourd'hui. Voici, mesdames, mademoiselles et messieurs, le verset pour aujourd'hui. Timothée, garde ce qui t'a été confié en évitant les discours vides. Timothée, garde ce qui t'a été confié en évitant les discours vides, selon 1 Timothée 6, le verset 20e. D'ores et déjà, je vous offre la première note sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est une note qui nous invite à aimer nos prochains. Je veux du love avec Soupa Miki, une jolie chanson sur nos ondes. On aura l'amour en plus, on s'aimera l'amour en plus, on aimera plus, on sera semblable aux fils. Ne soyons pas distants, dans la tristesse, marchons dans l'amour, marchons en Christ, en tout temps, en tout lieu. Si t'es d'accord avec moi, va écrire. Pense à cette femme qui a touché la robe de Jésus. Médite sur ça. Pense à cette femme.
notre pain quotidien. Le sujet pour aujourd'hui, Dieu généreux. Éphésiens 3, le verset 14e jusqu'au verset 21e à lire pour aujourd'hui. Lorsque notre famille vivait à Chicago, il y a plusieurs années, nous y jouissons de nombreux avantages. Parmi les premiers sur ma liste se trouvent les restaurants étonnants qui semblaient chercher à se damer le pion les uns aux autres, non seulement en matière de grande cuisine, mais aussi par la quantité de nourriture qu'ils nous servaient. Dans un certain restaurant italien, ma femme et moi commandions une demi-assiette de notre plat de pâtes préféré et en avions suffisamment pour en ramener à la maison et en faire notre repas du lendemain soir. Les portions généreuses nous donnaient l'impression d'être chez grand-mère lorsque nous exprimait son amour en cuisinant pour nous. Je me sens également très aimé lorsque je lis que mon Père Céleste a répandu sur nous la richesse de sa grâce et qu'il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je lui suis tellement reconnaissant de ne pas être en Dieu chiche qui nous accorde parcimonieusement sa bénédiction. C'est plutôt le Dieu qui accorde généreusement son pardon au Fils prodigue et qui nous couronne chaque jour de bonté et de miséricorde. Il arrive parfois que nous pensions que Dieu ne nous en procure pas assez. Reste que s'il n'avait fait que nous pardonner nos péchés et nous assurer le ciel, il se serait déjà montré abondamment généreux envers nous. Aujourd'hui, réjouissons-nous donc en notre Dieu généreux. Une pensée pour aujourd'hui, louez Dieu, de qui provient toute bénédiction. Louez Dieu, de qui provient toute bénédiction. Changer ma vie. Son nom c'est Jésus. Vous écoutez Radio Respiration. D'ores et déjà, je vous souhaite de passer une excellente semaine sur nos ondes. Je vous rappelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le verset pour aujourd'hui, Timothée. Garde ce qui t'a été confié en évitant les discours vides. 1 Timothée 6, le verset 20e. Jesus, avance avec lui. Accepte dans ton cœur celui qui donne la vie. Marche avec lui, marche avec lui. Il faut que tu marches avec lui, marche avec lui. Jesus, avance avec lui. Accepte dans ton cœur celui qui donne la vie. Marche avec lui, marche avec lui. Il faut que je te dise, bah, qu'il a changé ma vie. Je te donne mon avis, il faut que tu marches avec lui. Ressuscité des morts, il a donné sa vie. Avant de donner sa vie, il t'a pas demandé ton avis. Celui qui veut me suivre s'abandonne lui-même, qui porte sa croix et puis qui me reste fidèle. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme et de tout ton être et de toutes tes forces. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis le Dieu qui sera toujours glorifié. Tu me fais du bien, à moi ton serviteur. Seigneur, laisse-moi t'exprimer ce qu'il y a dans mon cœur. Apprends-moi tes prescriptions, apprends-moi à être pour les autres une source de bénédiction.
apprends-moi à être un leader qui pourra conduire beaucoup à être des winners. Ok, il faut que tu marches avec lui, marche avec lui. Jesus, avance avec lui. Accepte dans ton cœur celui qui donne la vie. Marche avec lui, marche avec lui. Il faut que tu marches avec lui, marche avec lui. Jesus, avance avec lui. Accepte dans ton cœur celui qui donne la vie. Marche avec lui, marche avec lui. Seigneur, sans toi je suis rien. Sans toi le RAP que je donne ne produit rien. Donne-moi la force de pouvoir marcher avec ou sans rien. Merci de m'avoir sorti là de la touche, viens. J'apprends, j'apprends et je te le dis publiquement. Je suis fier, 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 fier d'être ton enfant. Le chemin est dur, mais je me rappelle de toutes tes paroles qui a fait de moi l'homme que je suis. Je veux te dire encore une fois que toi t'es mon boss, que t'es mon king encore une fois. J'incline ma tête devant ta loyauté. Apprends-moi encore à vivre dans la sainteté. Je me la pète pas. Si toi tu m'entends, si toi tu m'écoutes, God, God, God bless you. Important pour Dieu, choisis ton camp. Là où est la vie, je ne juge pas ton avis. Il faut que tu marches avec lui, marche avec lui. Jesus, avance avec lui. Accepte dans ton cœur celui qui donne la vie. Marche avec lui, marche avec lui. Il faut que tu marches avec lui, marche avec lui. Jesus, avance avec lui. Accepte dans ton cœur celui qui donne la vie. Marche avec lui, marche avec lui. Il faut que tu marches avec lui, marche avec lui. Jesus, avance avec lui. Accepte dans ton cœur celui qui donne la vie. Marche avec lui, marche avec lui. Il faut que tu marches avec lui, marche avec lui. Jesus, avance avec lui. Accepte dans ton cœur celui qui donne la vie. Marche avec lui, marche avec lui. Il a changé ma vie. Radio Respiration FM. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de Rechef, salut, ici Emmanuel Élisée Nourestin qui vous présente un coup d'œil sur l'actualité mondiale.